Bezat Hashem, le Chok Israël, dimanche, Parashat Vaigash, Lilou Nishmat, Gad Masod ben Miriam Yamna, Vigilou Nishmat, Yoshua ben Talia, Vechana, Bat Rachel, Brachot, Daf Daled, la page 4, à Tanya, Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin nous dit, Al Shne Devarim, Haiti Mitzter Koleamai. Il était très méticuleux sur deux choses, dit Abba Binyamin. Sur quoi? Al Tfilati, Shetes Lifne Mitati. Que ma prière soit devant mon lit. Alors la Gemara tout de suite, Maï lifne mitati. Qu'est-ce que ça veut dire devant le lit? Tu veux me dire que tu faisais shachrit devant ton lit? Tout d'abord, si tu n'as pas arrangé le lit, c'est un baya. C'est pas propre. Et même si tu as arrangé ton lit, on a dit, et Rabbi Yoshua ben Levi dit, Minayin la mitpalel shelo yeh davar chotzetz beno le ben akir. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui sépare la personne, entre la personne et les murs. Ça veut dire qu'a priori, tu dois faire toujours ta prière devant un mur. Ok? Top. C'est pas toujours faisable. Mais quand tu as le choix, la meilleure place de faire la prière, c'est devant un mur. Même si tu écris dans la halakha, tu voyages et tu arrêtes la voiture au milieu de la route et tu descends pour faire la prière. Tu ne peux pas faire la prière dans un champ. Tu dois trouver un arbre et prier devant l'arbre. Okay? Pourquoi? Alors tout d'abord, c'est plus tsniout, c'est plus discret. Deux, on veut pas que quelqu'un passe devant toi. On veut pas que quelqu'un te coupe, comme on dit. Okay? Pourquoi? Alors le Shulchan Aruch dit, parce que ça déconcentre. Ça déconcentre. Deux, selon le Zohar, quand tu fais la Amida, il y a une lumière qui jaillit de toi jusqu'à la fin du monde. Quand quelqu'un passe, il coupe cette lumière. Okay? Alors la différence entre l'halakha et le Zohar, c'est que selon l'halakha, après 2 mètres, si tu es loin 2 mètres de la personne, tu peux passer devant lui. Mais selon le Zohar, non. Toute la ligne devant lui, tu n'as pas le droit de passer. Tu dois passer sur le côté, en arrière, mais jamais devant une personne. La même chose, quelqu'un qui dit Kaddish, tu n'as pas le droit de le couper, tu n'as pas le droit de le passer devant lui. Okay? Alors ici aussi, la Gemara nous apprend, comment il dit qui veut prier devant son lit. On ne prie pas devant le lit, on prie devant le mur. Okay? Parce qu'une chose qui est mobile, qui bouge, aujourd'hui là, demain là, c'est Khatitsa. Alors dit la Gemara, non. C'est pas qu'est-ce que Abba Binyamin voulait nous dire. Abba Binyamin voulait dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, Alotema lifne mitati, c'est pas qu'il voulait prier devant son lit, et la samouch le mitati. Et Rashi nous dit, ma se samouch le mitati, kol yamai nizarti shelo lasot melacha velo lasot batora kshamati mitati. Je n'ai pas fait un travail avant de se mettre à prier. Qui veut dire? Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin, mais qu'est-ce qu'ils font? Jogging. Alors ils font jogging, et après ça ils reviennent, ils prennent une douche, l'ichvod Hashem. Et ils s'habillent et ils vont à la prière. Non. La première chose que tu dois faire, c'est la prière. Tu ne veux pas aller jogging, okay? Ou tu veux aller faire, tu sais, je vais me réveiller tôt, je vais avancer le travail de mon bureau. Et après, je vais aller à la prière. Tu ne peux pas faire ça. Hachem t'a donné une neshama pour le servir. Tu as dit, Modéani l'fanecha shirzata benishmati, va à la prière. Va à la prière d'abord. D'avoir Rishon. Et Abba Binyamin dit, je faisais très attention. Jamais je faisais autre chose. Toujours directement la prière. Après la prière, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas aller jogging, tu vas aller au travail, tu vas aller à l'école, là où tu veux. Mais d'abord la prière. Ça c'est un. Numéro 2, qu'est-ce qu'il faisait attention à Abba Binyamin? Il a dit qu'il toujours, il faisait attention de positionner son lit chez Tien et Tuna Ben Safon la Darom. La tête du lit au nord, le pied du lit au sud. Toujours il faisait attention à ça. Pourquoi? Parce que tout celui qui le fait, avian le banim zecharim, ça donne de garçons. Ça veut dire que si tu vas avoir des garçons, voilà un ségoula. Tu n'as que des filles. Ou tu n'as pas encore des enfants, tu vas avoir un garçon. Positionne ton lit entre le nord et le sud, la tête au nord, le pied au sud. Ok? Mais l'intéressant, c'est que le Zohar, il dit le contraire. La Gemara lui dit. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. C'est l'est et l'ouest. La tête à l'est, le pied à l'ouest. Okay? Et la Lacha, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les directions sont bonnes. Si tu veux avoir des garçons, c'est bon. Mais le nord-sud. Okay? Nord-sud.
Mais ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible. Des fois, la pièce, la porte est au nord. Alors comment tu vas mettre le lit dans le nord? C'est impossible. Okay? Alors on te dit, c'est bien, mais ce qui est intéressant, ils ont trouvé que toutes les pyramides en Égypte, ils ont un coin, il y a quatre coins dans la pyramide, mais un coin qui est toujours parfaitement au nord. Ça veut dire pas nord-est ou nord-ouest, nord. Et ils ont cherché pourquoi. Apparemment, il y a une certaine énergie qui émane de l'or, du nord. Ça veut dire le nord, il envoie une certaine énergie à la personne. Alors, ce n'est pas pour rien que la Gemara nous dit que tu auras des garçons et tout ça. Ça doit avoir quelque chose aussi au-delà de ça. Alors, pour te dire que déjà, Rabbi Binyamin, il connaissait cela, que le nord, c'est quelque chose de très important. Alors, il positionnait son lit au côté nord. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.